Deuxième. Bonjour maman, alors on est toujours en Patagonie, hein, on a toujours un petit peu froid, il fait 1 degré, mais on est toujours devant des panoramas assez exceptionnels. Donc là on a un magnifique lagon très froid mais très beau, des montagnes absolument magnifiques, et on est à El Bolson qui est enclavé dans une vallée. On est vraiment là au milieu de la Patagonie, dans des endroits assez froids, assez loin de tout. Ça a été développé par des hippies il y a quelques dizaines d'années, trentaines d'années. Aujourd'hui, ils sont bien adaptés au capitalisme, c'est devenu un endroit un peu touristique, il y a même un casino, mais ça reste un endroit absolument fabuleux où on peut faire des belles rencontres. Alors, c'est plus vivant en été, là on est en automne, justement. Il y a quand même un petit peu moins de monde, mais on a quand même trouvé un endroit assez épatant que je vais vous montrer. Ça s'appelle le Earthship Eco Lodge. C'est un concept qui a été importé d'un penseur et d'un créateur américain, qui est développé pour essayer de penser la maison du futur entièrement autonome, éco-responsable. Alors par exemple, l'eau de la douche est filtrée par des petites algues, et ça va ensuite pour arroser des plantes et les faire pousser. Ensuite, cette eau qui a été refiltrée par les plantes, par des filtres et des plantes, va ensuite dans les toilettes. Et dans les toilettes, ensuite, ça va dans un autre gros bac qui est refiltré pour arroser les plantes du jardin. Et ils font pousser eux-mêmes. Il y a un très joli petit jardin. Bon, là, on est en hiver, donc fatalement, il y a quand même moins de fruits et de légumes. Hein. Les noix de coco sont pas fraîches. Mais en été, ça doit être absolument luxuriant. C'est un repère assez étonnant. Alors, évidemment, là, en hiver, frisqué, on se chauffe au bois, voilà, mais c'est très bien foutu, c'est assez sympa. Donc c'est un concept original. Et puis il y en a un autre du côté du Ushuaïa qui n'est pas un lodge, qui est juste une expérimentation, mais l'Earthship, c'est un concept assez sympa qui demande encore à être développé, amélioré. Et là on est vraiment dans le concret, dans des beaux endroits où les gens le font vraiment et l'expérimentent vraiment dans des conditions assez hostiles quand même, assez difficiles. Et ça marche, et les mecs sont absolument adorables, évidemment. Ils font à manger végétarien, on s'est régalé hier, ils sont très sympas, ils jouent de la musique, enfin voilà, c'est vraiment très sympa. Et aujourd'hui, eh bien, on a fait une petite balade au milieu de la forêt patagonienne. On a même un petit brin de soleil pour essayer de passer à 2 degrés, coup de folie sur les prix. Voilà. On s'est fait encore un copain qui sentait bon le casse-dalle et l'amour. Donc voilà, il nous a emmené jusqu'ici et il a compris qu'ici c'est un bel endroit où les gens ont l'habitude de prendre des photos, donc il s'est allongé, il a dit c'est la pause. Donc on suit le rythme des locaux. À la maman, un petit bout de Patagonie, El Bolson, hein, si tu veux aller regarder sur internet, en été c'est très touristique, hein, il y a vraiment plein de monde. À bientôt maman.